Dans le cadre de ces activités, chaque année, le centre Don Bosco organise des activités de vacances aux jeunes en dehors de manifestations culturelles et sportives. Cette année, une centaine de jeunes suivent une formation en atelier sur la sérigraphie, la couture et l'électricité. Abdelhadi Moumoussaleh. Cette formation en coiffure, cuisine, maintenance, informatique, électricité et bâtiment qui regroupe plus de 100 jeunes venus de différents établissements d'N'Djamena et initiée par les centres des jeunes Don Bosco d'N'Djamena. Elle envisage orienter les jeunes diplômés ou non à se tourner vers l'entrepreneuriat. Une démarche qui, selon les coordonnateurs projet vacances, formation vise à rendre ces jeunes responsables. Ces métiers dont nous offrons aux jeunes, ce sont des métiers trop pratiques dont ces jeunes, à la fin de cette formation, seront capables au moins de faire quelque chose dans ces domaines. L'objectif est de lutter contre le chômage. Pendant les vacances, les participants retenus pour cette formation, faut-il le préciser, viennent des différents établissements de la ville d'N'Djamena.